Insolite. Aujourd'hui, je vous emmène à bord de mon bateau imaginaire, destination un des nombreux détails cachés dans ma ville. Allez, venez avec moi jusqu'au 27 de la rue de la Croix de Fer. Prenez le temps de faire un 360 degrés sur vous-même pour découvrir ce détail caché. Vous l'avez trouvé? Bon, je vous aide. Positionnez-vous afin d'avoir la rue Saint-Nicolas dans votre dos et la place des Carmes devant vous. Sur votre droite, il y a un portail vert. Et sur sa gauche, vous pouvez apercevoir quelques minces vestiges de l'église Saint-Nicolas. Cette église a été démolie en 1840. Fermée lors de la Révolution, l'église Saint-Nicolas fut désaffectée en 1791. Et, fait insolite, cette église devint une remise pour les voitures de messagerie. Aujourd'hui, en dehors de ces maigres vestiges, seul le clocher a été conservé et a été remonté à Côte-Évrard, une ville normande située entre Rouen et Dieppe.